Bonsoir les amis. Allez, c'est parti. Ce soir, face mouille. Onigo Jigoto. Le temps qu'on se mette en route. Merci Cédanor pour ton abonnement. Merci, merci. Ça fait 4 mois que t'es abonné. Merci beaucoup Cédanor. Comment tu vas? Bah écoute, ça va, j'ai fait ma petite sieste en rentrant du travail tout à l'heure, ça m'a fait du bien. Du coup, ce soir, je suis chaude. Tout, 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 tout. Bonsoir, Adri. Donc, comme hier, si vous voulez que je mette la perruque de Harley Quinn, il faut remplir le verre. Voilà. Donc, je vous souhaite bon. Moi, je me souhaite bon courage parce qu'à chaque fois que je trouve un fantôme, j'augmente de difficulté. On va voir ce que ça donne. Donc, on commence en amateur et on peut finir en cauchemar ce soir si tout se passe bien. Voilà, je me lance un petit défi ce soir. Et ça arrivera de temps en temps comme ça sur Fast Home, lancer un petit défi. Genre, je meurs, je fais autre chose ou voilà. Hop. Comment ça va, Adri? Comment que vas-tu? Mes lunettes font de la buée, c'est affreux. Bah écoute, ça va, tranquille, merci. Vous avez passé une bonne journée? Ah bah si, mon micro il est sorti. C'est Dana, tu peux pas avoir le modo et le VIP. C'est soit l'un soit l'autre. En plus, je te l'avais mis le badge VIP. Mais tu peux pas être modo et avoir VIP. Et oui, en fait, le VIP, c'est en dessous du modo. On va dire en quelque sorte, c'est pour ça que tu peux pas avoir les deux, je crois. Mais du coup, cette année, tu as réussi à être promu au rang de Modo. Allez, parti solo, c'est parti, mon kiki. Allez, on ajoute du matos. On va essayer de pas crever. Niveau 146. Tout, 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 tout. Je suis prête, effectivement, démarrer au niveau gigoto. Ah mince, j'ai pas regardé dans quelle difficulté j'étais. Crotouille. Et oui, parce que si il faut que j'augmente les difficultés, il faut que je commence par amateur. Alors, ok, on commence de zéro. Donc ça veut dire que je suis pas en amateur. Ok, on va ouvrir, prendre un fantôme au pif, et puis recommencer. C'est pas bien grave. Ou alors pas. So good, so good, I got it, you, tout, 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 tout. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, gérer votre tableau. Thank you very much, mais no thank you.
Ok, donc on était. C'était le mimique, ouais, très bien. C'était pas ça que je voulais voir. Suivant. 30 dollars, c'est déjà mieux que rien. On était en professionnel, donc on se met en amateur. C'est parti, mon kiki. On se remet dans la Tanglewood. Les amis, bientôt le nouveau PC quand j'aurai mon salaire. Du coup, on aura le droit à une meilleure qualité de jeu. Et aussi au fait que je ne pique plus tout le temps l'ordi de ma mère. Ouais. Ça aussi, on aura le droit. Pardon. Excusez-moi. Ok. Merci Adri, merci, merci. Alors, il répond à tout le monde. Trouver des preuves d'activité paranormale avec un lecteur EMF. Atteindre une santé mentale moyenne en dessous de 25%. Faire en sorte que l'entité éteigne une bougie. C'est faisable, on va pas se mentir, c'est faisable. Alors, je vais prendre ma petite lampe, lampiote. Qui c'est qui connaît l'expression souple comme un verre de lampe? Moi, j'avoue, je la connaissais pas, c'est ma mère qui me l'a sortie. On a de l'orage apparemment. Ah, je vais peut-être mettre plus fort le son. Je l'avais baissé à cause de Mortuary hier. Si le son est trop fort, vous me dites. Je disais l'expression être souple comme un verre de lampe. Où êtes-vous? Manifestez-vous, s'il vous plaît. Alors, on va chercher l'os. Ah, bah l'os, il est juste là, tiens donc. Nous avons une main. Ok. Moi, ma mère, elle me sort ça pour dire que je suis pas souple du tout. Est-ce que j'ai récupéré la main? Non, je l'ai pas récupérée. Bah écoute, sache Adri que ma mère aime bien inventer des expressions. Une fois, elle a inventé une expression. C'était si j'étais un oiseau, je serais tombé du nid, je serais tombé du nid sur l'arbre ou je sais plus quoi. Enfin bref, elle était partie dans un truc. Jamais on m'avait sorti des trucs pareils. Mais ma mère, elle est très forte pour sortir des trucs qui n'existent pas. Thank you very much. Où êtes-vous? Il doit être ici s'il allume. Où tu te trouves? Bah, il a allumé la chambre, alors je me suis dit qu'il devait être là, mais la température, elle bouge pas. C'est bizarre. Ah, il y a aiguille sous roche, mais c'est vraiment ça l'expression parce que j'ai un doute maintenant. C'est pas chercher une aiguille dans une botte de foin? Non, c'est faut pas pousser mémé dans les orties. L'expression, il me semble. Eh, vous êtes en train de me perdre dans les expressions. Où êtes-vous?
Ah, nous avons le cercle d'invocation que je n'utilise jamais seul. Voilà. Où êtes-vous? S'il vous plaît, j'ai besoin que vous me montriez quelque chose. Ah, le but c'est de me perdre. Ok. Ah, 7, 9, 10, 6, 5. Et vous savez quoi? J'ai appris que mon papa, il venait sur mes lives de temps en temps. Et il parle pas en plus. Bonsoir, Mysticifère, comment tu vas? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu passer. Bah, coupez l'herbe sous le pied. Où êtes-vous? Il doit être ici, je pense. Allez, vas-y, on va dire il est ici, on verra. Ah, mais il me reste plus que deux photos déjà. Pourquoi? Comment est-ce possible? Ah oui, j'ai pris des photos de trucs, ok. Être haut comme trois poires. Ouais, ça peut fonctionner aussi bien que haut comme trois pommes. Il a jeté quoi? Saloperie. Elle me fait flipper. Mais c'est moi ou elle a déclenché une chasse? Eh ben écoute, ça va, Michisfer, là j'ai repris le boulot lundi. Et en parallèle, je fais aussi mes lives, donc voili voilou. Parce que je veux pas vous laisser tomber. Je vous aime, les amis. C'est une déclaration d'amour, hein, quand même. Ah, mon petit fantôme! Mon petit fantôme d'amour. J'arrive pas à savoir si le fantôme m'a chassé ou pas, on dirait, mais on dirait pas en même temps. Enfin bref, c'est chelou ce que je viens de dire. Voilà. Exactement, de l'amour et des cœurs partout. Oh, c'était pas trop beau ce que je viens de dire. Moi aussi, je suis une grande sentimentale, t'inquiète. L'autre fois, c'est qui a failli me faire pleurer? C'est Sophia qui a failli me faire pleurer la dernière fois. Je sais plus ce qu'elle m'avait dit, mais elle a failli me faire pleurer. On s'envoie des cœurs, oulala. Écrivez dans le livre, s'il vous plaît. Et j'espère que ça va s'arranger, Miss Lucifer, pour ta grossesse et tout. Là, tu dois rester chez toi. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous?
Oh, du love, du love, du love. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Que voulez-vous? Quel est votre nom? Ok, on va regarder le thermo où il en est. Ah bah oui, il est bien là, il y a du 3. Pourquoi? J'ai cru que j'allais mourir là d'un seul coup. J'ai eu très très peur quand même. Ah mais j'ai pas de bougie les amis, je suis dans le caca. Je croyais que j'avais des bougies mais pas du tout. Point du tout. Alors du coup, on va commencer avec ça. EMF, on a dit moins 25% de santé mentale. Moi aussi, je vous aime. Je vous aime, les amis. Je vous adore. Écrivez dans le livre, s'il vous plaît. Ah bah c'est cool. Au moins ton patron, il a eu une bonne idée de faire ça. Mais c'est le cas. Mais c'est le but recherché. Le but recherché étant de vous faire rougir et de vous faire pleurer. Non, je rigole. Le but, c'est surtout de vous dire que j'apprécie vraiment live avec des followers comme vous et des abonnés comme vous. Ça me fait grand plaisir. Hop, on va claquer un encens. De rien. Ça me fait plaisir de vous dire ça. Merci, merci, merci d'avoir offert le sub. Adri, merci d'avoir offert le sub à Miss Lucifer, c'est super gentil. Ah, on a eu un dot! On a eu un dot, les amis. Ah, tu es le first pour les cadeaux, Adri. Tu es le premier pour les cadeaux. Vous êtes adorable. Vous êtes tellement adorable. Pour l'instant. Ah bah oui, c'est sûr, en plus on peut s'ennuyer et tout, mais franchement c'est beaucoup mieux pour toi que tu restes chez toi et que tu arrives à bien t'en sortir avec ta grossesse que de continuer le boulot et puis que ça empire les choses en fait. Donc d'un côté c'est beaucoup mieux pour toi et le bébé. Nous avons un orbe qui a l'air assez rapide, plus un dot. Ce que je voulais voir, c'est est-ce que le dot, ça peut être le mimic? Non, ça peut pas être le mimic, donc l'orbe, c'est bon. Oui, du coup, Miss Lucifer, tu as pu découvrir quand on se follow, quand on s'abonne et quand on envoie des beats, j'ai mis des musiques en fait pour que ce soit plus sympa. Et c'est évidemment le chat qui a choisi. En vrai, c'est ce que je disais, c'est ce que j'arrête pas de répéter quand je parle de mes lives et tout. Franchement, j'ai une communauté. Franchement, vous êtes adorables. Vous êtes super gentils, vous êtes adorables. Franchement, vous êtes au top, les amis. Vous êtes au top. Ok, alors qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Rien du tout. On va essayer de le faire bouger un peu.
Ah ouais, mais si je fais le cercle d'invocation. Oh, Adri! Mais je ne fais que dire la vérité sur ce qui est, Adri. Ah, mais tu sais, ces Dana, il y en a qui n'ont pas de respect, hein. Voilà, mais je trouve que vous êtes plutôt respectueux, que. Je trouve qu'on rigole bien, qu'on. Je trouve que vous êtes bien. J'ai une bonne communauté dans l'ensemble, je trouve. Et que même ton monsieur se retourne derrière, franchement, ça va. Écrivez dans le livre, s'il vous plaît. Mais il est sérieux? EMF5. C'est bon, on a toutes les preuves. Ah oui, elle a pas entendu le son pour les beats. Faudra lui faire écouter un jour, les amis. Le son pour les beats, il est juste excellent. C'était un Raiju. Nous pouvons augmenter de niveau et passer en intermédiaire, les amis. Je sais pas quoi te dire, Miss Lucifer. Oui, vaut mieux que tu demandes à Sedanar si tu dois avoir peur ou pas. Mais ça va, c'est pas trop fort le son des subs et tout, parce que du coup, moi j'ai mis plus fort mon son pour que je puisse entendre le jeu, mais si c'est trop fort pour vous. En tout cas, je sais que la musique des beats en amuse certains sur le live, qui m'ont même fait bugger mon live, n'est-ce pas, Sedanar? Ne te sens pas visé, surtout. Non, oui, fais l'innocent, Sedanar. Fais l'innocent. Donc du coup, on va racheter un peu de matos. Crucifix, parce que comme on augmente de niveau, ça va être plutôt important. Ça, je vais en prendre un, évidemment. Appareil photo, oui, il m'en faut plusieurs quand même, ce serait cool. Parabolique, on me le demande de temps en temps. Il y a Sophia qui t'a chauffé. Ça va, c'est pas reparti en couille depuis, hein, quand même. Ça va. Vous êtes resté calme, hein. C'est déjà le principal. Mais un jour, je sens que ça risque de recommencer et de partir en couille. Oui, il faut avoir peur, Miss Lucifer. Il faut avoir très très peur de ces petits zigotos. Ah oui, je vois. Je comprends, quand le banquier dit stop, c'est stop. Ok, on est parti les amis. Caméra, bâton lumineux. Ok. Pourquoi j'ai pas de crucifix? Bon, allez, quoique en intermédiaire, est-ce que j'ai besoin d'un crucifix? Ah si, le crucifix, c'est bon, bougie. Ok, nous sommes prêts. On se met en intermédiaire et on y va. Let's go, les amis. C'est parti, les amis. Nous allons le trouver. Nous allons y arriver. Où allons-nous? Dans la maison du fantôme. Ah, c'est bon. C'est bon, c'est parti en couille. Non, non, c'est pas du Patrick Sébastien, ma chère petite Miss Lucifer.
J'essaye de t'indiquer un petit peu dans quel style nous sommes, par exemple pour les... Si t'es une petite patate comme moi, merci beaucoup Sedana pour tes beats. J'en profite pour mettre de la crème sur mon visage. On fait tourner les serviettes. Alors, la chanson pour les followers, ma chère petite Miss Lucifer, c'est la chanson de René La Taupe. Donc, tu es dans un style très, très sonnerie téléphone, on va dire. Une petite quoi, mais si je fais, j'ai pas compris. Si tu aimes bien ces paroles. Non. Si tu veux pas finir à la casserole. Girouette. Gigolo. Non, je pense pas que c'est ce qu'elle voulait dire. Si tu veux pas finir à la casserole. La 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 la. De nos jours, la vie est dure quand on est une petite patate. Qu'on soit mûr ou pas mûr. Il faut bien se tenir sur ses pattes. Je crois que c'est ça, hein, mais je suis pas sûre. Brique de jus, comment ça va? Comment vas-tu? Pourquoi j'ai pris le livre? J'en ai pas besoin. Ah, tu connais que le refrain, mince. Oula, ça m'a mis des petites étoiles, donc je sais pas ce que tu voulais dire, mais moi ça va. Ah, ok. Bah repose-toi, brique de jus, repose-toi. Si tu es malade. Et mais en vrai, du coup, j'ai envie de savoir ce que c'était la chanson de la... Attendez, j'évite Dev sur YouTube parce que du coup, je veux savoir... La chanson de la petite patate pour voir si je me suis pas trompée dans les paroles. Ouais, genre, je suis un peu cinglée sur les bords. Faut pas chercher. Patate show! Show! Bah, bon appétit, brique de jus! Merci, c'est Dana. Moi aussi, je vous aime. La vie est dure
quand on est une petite patate. Moins mûre ou pas mûre. Ah si, c'était ça en plus. Mon petit gars, si t'es une petite patate comme moi, écoute bien ces paroles, si tu veux pas finir à la casserole. Voilà. Bon, je voulais juste savoir le début pour voir si j'avais raison. Effectivement, j'avais raison. Mais je crois que le fantôme n'a pas aimé du tout la chanson de la patate. Je suis pas sûre, hein, je dis ça comme ça. Ça marche pas de ça, c'est d'anard. Entount. Du coup, ma chère Miss Lucifer, connais-tu la chanson de la petite patate? Parce que du coup, ça, je vais demander à tout le monde, hein, mais moi, je veux savoir si vous connaissez ou pas la petite patate. Où êtes-vous? Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Ah, tu connais pas la chanson de la petite patate? Va sur YouTube et regarde Patate Show. Et genre, tu vas voir, c'est super rigolo. C'est la musique des Beats, si tu as pu entendre tout à l'heure. Je connais, oui, deux patates. Ah, c'est qui les deux patates que tu connais, c'est Danard. Je suis intriguée là. Ah, connais pas. Connais point. De nos jours, la vie est dure quand on est une petite patate, qu'on soit mûr ou pas mûr. Il faut bien se tenir sur ses pattes. Tu verras, c'est calme. Bizarrement, non, je pense que c'est pas le cas. Mais elle m'a éclaté une ampoule. Et la trois petits points, ok? Il est chaud le fantôme, il est chaud. Je crois qu'il aime pas quand je chante. Et bah ça tombe bien, il va y avoir le droit encore une fois. Parce que c'est comme ça la vie d'un fantôme, c'est d'entendre les gens chanter toute la journée. Surtout avec moi quand je joue à Phasmo. Écrivez dans le livre, s'il vous plaît. Moi, je suis rentrée dans le placard sans faire exprès. À votre avis, quel genre de fantôme ce sera cette fois-ci? Bon, on va faire ça parce que je sens que si je mets pas un crucifix, je vais mourir fixe. Ça veut rien dire. Mais je trouvais ça tellement drôle.
Montrez-vous, s'il vous plaît. Ah, mais j'ai une bouteille d'eau là. Je vous avoue, les amis, sachant que je travaille demain et que je suis un peu claquée, même si j'ai dormi cet après-midi, je ne suis pas sûre de rester jusqu'à minuit ce soir. Mais demain et samedi, on restera plus longtemps, mais c'est vrai qu'en semaine. Et bah, dis-toi que mes parents, ils me faisaient écouter ça quand j'étais petite pour qu'ils soient tranquilles et que j'arrête de les faire chier, ils me mettaient ça. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Comment vous appelez-vous? Que voulez-vous? Quel âge avez-vous? Saloupio de fantôme. On va mettre un micro parabolique. Alors, le micro parabolique, je sais toujours pas comment il fonctionne. Hein. Très sincèrement, je vais l'utiliser, mais je sais pas comment il fonctionne. Donc on va y aller à la wall again. C'est parti. Marchez dans le sel. Écrivez dans le livre. Enfin, du coup. Écrivez dans le livre. Je sais pas quelle porte il a ouvert. Qu'on soit mûr ou pas mûr, il faut bien se tenir sur ses pattes. Parlez dans le micro. Mince. Parlez dans le micro. C'est trop Samus.
Ah oui, c'est normal que tu m'entends pas parler. J'avais mis mon micro en sourdine, j'étais en chasse avec le fantôme et j'ai oublié de le rallumer. Du coup, tout à l'heure, je disais bonsoir, bonne nuit, c'est Danard. Excusez-moi, je commence à me mélanger les pinceaux. Et bonsoir, Harley. Et comment s'est passé ton live? Bonne nuit, Miss Lucifer, merci d'être passé, c'est super gentil à toi. Et bon courage. Ouais, je viens de me faire tuer par un Déogène là, et franchement, ça me dégoûte un peu, ça me saoule. Je m'étais cachée et tout, il m'a trouvé quand même. Plein de gros bisous, Miss Lucifer, plein de gros bisous. Allez, c'est reparti. Ah non, le verre, il est pas encore plein. Ok. So good, so good. I got you, tout, 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 tout. Oh purée, je me fais délire quand je fais des trucs comme ça. Mais pourquoi je suis... Ah ok. Ouais. Mais non, pourquoi j'ai pas mon matos? Mais non. J'ai oublié de le remettre, quelle gourdasse. Oh! Je me désespère moi-même, voilà. Bon, bah on va le trouver à l'aide du EMF. Alors, que pouvons-nous nous apprendre sur ce fantôme? Il parle à tout le monde. Repousser l'entité à l'aide d'un bateau dansant pendant qu'il chasse. Ce sera pas possible. Purée de pois carottes. Demain, c'est mon dernier jour. Non, c'est pas mon dernier jour de taf, mais genre, c'est le dernier jour avant le week-end. Du coup, c'est cool, je pourrais me poser. Où êtes-vous? Ah, boîte à musique. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Montrez-vous, s'il vous plaît. Ok. Bah, te montre pas. Surtout, reste caché. Reste dans ton coin. Où êtes-vous? Ouais, je vais mettre 3 ans à le trouver, ça va être affreux. C'est où qu'il a ouvert une porte? Oh! EMF5. Ok.
On va aller chercher le matos. C'est parti, mon kiki, en essayant de pas mourir cette fois-ci. Hop, allez. Première preuve, EMF5. Ah purée, c'est vrai, j'ai pas de trépied du coup pour la cam. Ça va être chaud de ouf. Ok, en vrai, je suis grave silencieuse parce que j'ai peur qu'il chasse et de me faire tuer à tout instant. Le but, c'est d'essayer de pas mourir, donc. Alors, on va se mettre un crucifix pour être sûr. Le livre. Et on va regarder la cam, ce que ça donne. Pour voir si s'il y a dots ou orbes ou autres, mais je ne pense pas. Bon, j'ai pas l'impression qu'il fasse quoi que ce soit. On va y aller. Mais non! J'arrive pas à savoir quelle porte il touche. Touchez une porte, s'il vous plaît. Et franchement, au top ce fantôme, au top. Ah, c'est que des interactions. Touchez une porte, s'il vous plaît. Pas de soucis, Harley, pas de soucis, t'inquiète, pas de soucis. Donc on n'a pas d'empreinte digitale déjà. Ok, bah c'est nickel, t'as eu du monde un peu. Écrivez dans le livre, s'il vous plaît. Ok, après c'est déjà pas mal. En plus, tu t'inquiètes, Arlette, tu vas y arriver. Faut le temps de remonter, c'est sûr. Et puis, comme en ce moment, c'est vrai que je live pas beaucoup et tout, et que je suis au taf, je peux pas m'occuper entièrement de tout ça pour pouvoir t'aider. Donc, du coup, j'essaye de faire un max comme je peux. Mais t'inquiète, on va essayer.
Quel âge avez-vous? 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 Que voulez-vous? J'ai l'impression qu'il est plus là que dans le garage, alors on va se mettre dans le garage, on va se mettre dans la pièce avant. Ouais, mais c'est pas que tu m'en veuilles ou pas, tu vois, le truc c'est que moi ça me turlupine parce que du coup je peux pas t'aider comme je veux en fait. Mais ce que je vais faire de toute façon, c'est que je vais mettre la rediffusion du live évidemment sur YouTube et puis je vais voir si j'arrive à te faire venir du monde. Je suis pas encore à 1000 abonnés sur YouTube mais bientôt à 200. Du coup ça avance et franchement j'en suis hyper contente que ça avance. Quel âge avez-vous? Quel âge avez-vous? Écrivez dans le livre. Bah, pas de souci, Harley. Pas de souci. Et on est une équipe. Merci, Adri, de veiller sur Harley quand je ne suis pas là. Mais ce week-end, je serai toute dispo. Mais c'est vrai que tout à l'heure, il fallait vraiment que je dorme un petit peu parce que j'étais complètement crevée. Sinon, je serais passée, Harley, mais j'étais trop fatiguée. Ça marche, pas de soucis, Harley. Éteignez la bougie. Éteignez la bougie. A pas d'orbe. Ok, donc ce serait une ombre. C'est parti, on peut y aller. Mais what? Ce qui s'est passé, c'est dingue. Ouais, je m'y attendais pas à ce que ça se passe comme ça, dis donc. J'ai l'impression que le fantôme est en train de léviter, mais je suis pas sûre. C'était une ombre, c'était une ombre. Ah non, c'était un obac. Mince. Bon. Sur ce, les amis, je vais pas pouvoir plus continuer. J'ai les yeux qui me font mal. Je suis vraiment fatiguée. J'ai mal à la tête.
Il faut que j'aille faire dodo, que je me repose et tout. Demain, c'est... Je finis à 16h comme d'hab. Le week-end juste après. Donc, on pourra live plus longtemps. Mais là, il faut que j'aille me reposer un peu. Mais du coup, je vous remercie quand même d'avoir été présent sur ce live pour les subs, pour les beats. Merci beaucoup. Merci, bonne nuit à toi aussi, copine.